Grand-père, je suis très fier de vous annoncer la sortie du nouveau modèle de saxophone alto, le Supreme. Cet instrument a été conçu et fabriqué dans nos ateliers en lieu et place du premier modèle de saxophone alto fabriqué par Selmer, le modèle 22, en 1922. L'histoire de cet héritage est inscrite dans nos murs. Le savoir-faire est perpétué et transmis de génération en génération. Le Supreme, en quelque sorte, est l'aboutissement de cette longue histoire qui dessine les contours de ce merveilleux instrument qui ne cesse de se renouveler. Supreme est un clin d'œil au mythique album de John Coltrane, A Love Supreme. Mais c'est aussi la volonté d'évoquer la notion de surpassement, d'élévation. Le Supreme dépasse les genres musicaux, il n'est pas limité à un style de jeu ou un type de son. Il gomme les contraintes naturelles inhérentes au saxophone, il procure une sensation d'évidence de jeu et permet une relation au son plus directe, plus immédiate. Des travaux de recherche réalisés en interne ont permis de repousser encore un peu plus les limites physiques du compromis justesse, timbre et émission. La conception du nouvel alto suprême se veut donc innovante en proposant une nouvelle base, aussi bien acoustique que mécanique et esthétique. Un nouveau pavillon qui améliore la justesse et l'émission du grave. Un nouveau profil de la perce du bocal pour améliorer la justesse des rapports d'octave, le timbre et l'émission générale. Un clavier petit doigt main gauche avec une bascule articulée pour faciliter les passages. Un système de clés d'octave avec palier en téflon pour plus de fluidité mécanique. Un nouveau design de la clé de double fa pour un accès plus rapide. Un réalignement des hauteurs de nacre de la main gauche pour une sensation plus naturelle de la position des doigts. Un réseau de cheminées repensé en termes de diamètre et de position pour une homogénéité timbre accrue. Un système mécanique de correction de la justesse du rapport do dièse médium, do dièse aigu. Un bras de réglage direct entre les clés de fa et fa dièse, permettant un réglage plus fin et plus fiable. Une emboîture à serrage 3 points, pour consolider la jonction bocal-corps avec une bague en maille-short ajustable en position. Du Supreme, toutes les pièces de l'instrument ont été redessinées, à la fois pour des raisons techniques, de fabrication, et aussi pour des raisons de fiabilisation de l'instrument. Ça a été l'occasion de repenser intégralement l'esthétique de l'instrument pour essayer de traduire au mieux l'impression de fluidité et d'évidence qui a été défendue par le développement acoustique du Supreme. La gravure est toujours un élément fort de l'identité d'un saxophone. Un saxophone, c'est une façon de transformer du métal en son. Et avec le Supreme, on a voulu retrouver ces petits éléments cristallins qui évoquent la structure interne du métal et puis aussi des éléments floraux qui participent des gravures des grands saxophones Selmer et amènent la vie dans un souffle, une explosion, un Big Bang comme une invitation à de nouvelles explorations musicales.